Félix, où est-ce que tu es? Décroche ton téléphone. Tu as supposé être ici avec ton mari comme prévu. Ouais, mais désolé, il n'a pas pu être là. Bien, j'ose croire que c'est pour une raison sérieuse. Ok. Les résultats de des examens que nous avons effectués sur vous la dernière fois sont sortis. Et je peux vous dire qu'il n'y a rien de mauvais chez vous ou chez votre mari. Vous devez juste être stratégique. Focalisez-vous sur votre période d'ovulation. Je crois que vous comprenez de quoi je veux parler. Oui, docteur. Mangez sainement. Faites du sport. Et je vous assure que, d'ici peu de temps, vous aurez votre bébé qui grandira en vous. Écoutez, ma chère. Je sais que c'est dur pour vous. Mais vous devez être patiente. Ça marchera un jour. Merci, docteur. D'accord. Avez-vous une autre question à me poser? Non, il n'y a pas de question. D'accord, ok. Merci beaucoup. Je vais devoir prendre congé de vous. Merci beaucoup. D'accord. Madame, ça vous dirait d'aller boire un verre, un de ces quatre? Ok. Salut, chérie. Bienvenue. Merci. Alors, au sujet du rendez-vous avec le docteur, j'étais... Hey, je sais que je le mérite, mais essaye au moins de m'écouter. Bébé. Bébé. Je constate que, jusqu'à présent, nous sommes toujours en froid. Voyons, bébé. Ok. Je suis désolé. Tu sais quoi, Félix? Pourquoi n'arrêtes-tu pas d'être désolé au moins pour une fois? Et sois mon mari pour un changement. Ça fera plus de bien à tous les deux. Je veux dire, Félix, on s'est fixé un rendez-vous aujourd'hui à une heure qui nous convenait tous les deux pour rencontrer le médecin. Un rendez-vous vraiment très important pour nous deux. Devine quoi? Oh!
Tu le sais déjà. Tu ne t'es pas présenté. Et je t'ai appelé d'innombrables fois. T'as pas répondu à mes appels, t'as pas rappelé, t'as pas envoyé un message, et tu t'attends à ce que je sois contente. Écoute, bébé. Voici ce qui s'est passé. J'ai laissé mon portable dans la voiture. Vu qu'il y avait des clients qui sont venus de l'étranger et on devait avoir une réunion au nom de l'entreprise. J'avais plein de travail et je... Et quoi? T'as oublié, n'est-ce pas? C'est devenu ton excuse habituelle. Je veux dire, c'est devenu comme une chanson, une musique à mes oreilles. Bébé, mais j'ai dit que j'étais désolé. Ok, c'est bon. Laissons tomber le rendez-vous à l'hôpital. Tu te souviens quel jour nous sommes? De quoi est-ce que tu parles? Félix, aujourd'hui, c'est le jour d'anniversaire de notre mariage. Oh, t'as oublié? Ça, c'est une question rhétorique. Je n'attends aucune réponse de ça, parce que nous savons tous les deux quelle est la réponse. Écoute, je... Bébé... Félix, laisse juste tomber. Écoute, je ne vais pas crier. Je ne vais pas non plus m'énerver. Mais je veux juste que tu saches ceci. Cette alliance sur mon doigt est un signe censé montrer que je suis mariée. Mais maintenant, je commence à me demander si je ne suis pas mariée à moi-même. Tu sais quoi? Bonne nuit. Et joyeux anniversaire. Au moins l'un d'entre nous s'est rappelé. Est-ce que tu vas au moins me dire ce que le docteur a dit? Appelle l'hôpital et prends notre rendez-vous. Au mieux encore, appelle le médecin, tu as son numéro. Bonjour, bébé. Bonjour. Tu es réveillée? Bien. Tu as bien dormi? Ouais, j'ai bien dormi. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Je prépare le déjeuner à ma femme, bien sûr. Viens t'asseoir. Assieds-toi. Ça, c'est une première.
mon amour, tu me fais peur. Du lait ou du café? Je sais, le café. Quoi? Tu veux du pain? Je pense que ça ira. Qui est-ce qui a fait tout ça? C'est ton bébé. Quoi qu'il en soit, je t'en veux toujours. Voyons, bébé, j'ai dit que j'étais désolée. Ça va. Merci, ça c'est mon bébé. Arrête! Mais sérieux, cette omelette est délicieuse. Merci beaucoup. Tu es sûr que tu l'as fait tout seul? Non. N'as-tu pas vu le cuisinier qui vient de partir? Tu ne l'as pas vu? Parce que maintenant, le mien a plus de goût que le tien. Tu n'es pas sûr qu'il a été fait par moi. Jalousie. S'il te plaît, c'est pas bon du tout. J'ai juste voulu te faire plaisir. Vraiment? Ok. Désolé, je vais le prendre. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Ça vaut. Ouais, c'est sympa. Mais je suis toujours fâchée. Mais tu viens de me pardonner. Je suis toujours fâchée. Tu dois toujours me faire à manger comme ça. Je l'ai apporté pour toi, n'est-ce pas? C'est l'amour. On doit partager. C'est ça. Bébé, tu ne m'as toujours pas dit ce que le docteur a dit. Bébé, regarde-moi. Nous sommes dans le même bateau. Peu importe ce que c'est, nous allons le surmonter. Dis-le-moi. Bien. Il a dit qu'il n'y a absolument rien qui clochonne. Ok. Que nous allons bien, nous devons toujours essayer et garder espoir. Mais c'est parfait. Je t'ai dit que tout ira bien. Ouais. Eh bien, c'est tout ce qu'il a dit. Comme d'habitude, manger sainement... Plus d'exercice, éviter le stress et nous devons faire l'amour principalement lorsque je suis en période fécondée. Bien, nous allons continuer d'essayer. Ouais, c'est ça. Comme si tu seras là pour essayer avec moi. Je veux dire, Félix, t'es rarement à la maison. Soit tu as tel voyage d'affaires, soit tu as tel autre voyage d'affaires. Tu n'es jamais à la maison. Je veux dire, tu passes plus de temps dehors que dans ta propre maison. À quel moment allons-nous l'essayer? Oui, à propos de ça, j'ai quelque chose à te dire. Quoi? Bébé, quoi? Attends. Attends, t'as quitté ton boulot? Seigneur, s'il te plaît, dis-moi que tu as quitté ce boulot et que t'as trouvé un boulot qui ne te fera plus voyager. Je n'ai pas quitté mon boulot. En fait, je dois voyager. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Je voyage demain. Félix, tu ne vas pas faire ça. Attends, tu comptes me faire ça une nouvelle fois? Félix, t'es de retour, ça fait à peine 2 semaines. T'es même pas resté dans ta maison 1 semaine et tu me dis que tu voyages encore? C'était inattendu. J'ai reçu le message ce matin. Oh! Tu as reçu le message ce matin et ce n'est que maintenant que tu me le dis. Je suis en train de te le dire. Oh!
Oh, et t'as pas jugé important de me dire à l'instant où t'as reçu le message que tu voyages demain? Et je te le dis maintenant, je savais que tu allais te fâcher, j'attendais le bon moment pour te le dire. Vraiment? Chérie, c'est... T'attendais le bon moment pour me le dire? C'est juste un voyage de 3 jours, je serai de retour d'ici peu. Monsieur, je t'ai compris. Comme si ça allait me consoler jusqu'à ton retour de ce voyage. Ne parle pas ainsi. C'est pour le bien de notre vie, chérie. C'est pour le bien de notre couple. Bébé. Vraiment? Putain. Bébé. Bébé. Mon amour, je t'attendais. Bonne nuit, mon cœur. Mon amour, pas cette nuit. Bébé, s'il te plaît, s'il te plaît. Je suis très fatigué. En plus, j'ai un long voyage demain et je dois me reposer pour avoir les idées claires demain matin. Tu sais comment ça marche, hein? Attends, est-ce que je t'ai bien entendu? Tu dois dormir pour avoir des idées claires pour le voyage de demain. Donc ton excuse pour ne pas faire l'amour à ta femme cette nuit, c'est que je vais embrouiller ton esprit pour le voyage de demain. Un voyage pour Dieu, c'est où? Parce que t'as pas daigné dire à ta femme où tu te rends. Bébé, peux-tu parler moins fort? Hein? Si tu prenais une toute petite peine à m'écouter, plutôt que de t'énerver, tu aurais su où je me rends. Oh, vraiment? Oui. Donc parce que je ne t'ai pas demandé où tu vas, tu n'as pas jugé digne de dire à ta femme où tu vas dormir ces 3 prochains jours. Et moi, je suis là, toujours supposée être ta femme. Félix, comment est-ce que ceci t'arrange? Comment? Je crois que là, on a touché le fond. C'est le comble de tout. Alors? Alors quoi? Tu ne me demandes pas où je vais me rendre. Je ne veux pas savoir où tu vas. En fait, je ne veux rien entendre. Ok, je me rends à Enugu. Qui est-ce qui t'appelle à cette heure de la nuit? Ce n'était pas un appel. C'est l'alarme que j'ai réglée. Je voulais me réveiller pour bosser, mais je suis fatigué, je veux dormir.
Bonjour, bébé. Bonjour, mon amour. Comment tu vas? Je vais bien. Comment était la nuit? C'était bien. Et la tienne? Parfait. Le petit déjeuner est prêt. Je suis désolé, je ne peux pas déjeuner. J'ai des trucs à faire avant d'arriver au bureau. Et je ne veux pas somnoler. Ok, tu veux que je te l'emballe? Non, non, ne t'inquiète pas. Je suis déjà en retard. Oh, ce sac. Tu ne vas pas me souhaiter un bon voyage? Fais un bon voyage. Bébé. Je sais que tu n'es pas contente que je voyage, mais tu sais que j'essaye de... Mon amour, s'il te plaît. Je ne veux pas parler de ça maintenant. Je n'ai pas la force pour ça. T'as dit que t'étais en retard, pas vrai? Tu peux partir. Et assure-toi de revenir sain et sauf. Je le ferai. Je t'aime. Je t'aime également. Ok, je fais un bisou. Ok, prends soin de toi. Prends soin de la maison. Je t'appelle quand j'arrive, ok? Ok, bye bye. Maman, je t'assure, ce n'est pas facile. Ma fille, je sais ce que tu traverses. Je suis passée par là. Avant d'avoir Félix, ton mari, j'ai attendu pendant 10 bonnes années. Oui. Donc, sois patiente. Écoute, la patience, c'est la clé. Courage. Tout le monde me parle de patience. La patience. Maman, Félix ne me facilite pas du tout la tâche. Il n'est jamais dans les parages. Il est soit dans l'un de ses voyages, soit en mission. Honnêtement, maman, j'ai l'impression que je suis toute seule. Non, tu ne l'es pas. Tu sais, les hommes sont ainsi, mais tu n'es pas seule. Lui aussi y pense également. Écoute, ce n'est qu'un homme insensé qui ne voudrait pas entendre papa, 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 bienvenue. Je me trompe? Non, dis-moi, je me trompe? Voilà. Alors, sois patiente, ma fille. Hein? Sois forte pour moi. Promets-moi que tu seras forte. Promets-moi que tu seras forte. Maman, j'essayerai. Tu vas essayer? Bien. Tu m'as dit que les remèdes traditionnels que je t'ai donnés sont finis. Ouais, c'est fini. Et ça n'a pas du tout marché. Je sais. J'aimerais te conduire à un autre endroit. Je veux t'y conduire pour une consultation. Maman, j'ai déjà parcouru plusieurs de ces endroits. Écoute, je ne suis pas prête à ajouter un autre endroit à ma liste. Je ne t'en veux pas, ma fille, mais je reste certaine que celui-ci donnera un meilleur résultat. Oui. Qu'est-ce qui te fait croire que ce sera différent des autres endroits? Il faudrait d'abord qu'on s'y rende. Si on n'y va pas, il n'y aura aucun moyen de voir la différence. Hein? Tu as compris? Maman, je t'ai compris. Je vais réfléchir par rapport à ça. Tu vas y penser. Pense-y rapidement pour que je puisse t'y emmener. Ok? Maman, t'es sûre que tu ne veux rien manger? Tu ressembles à quelqu'un que je connais. Que tu connais? Le mari d'une amie. Vraiment?
Oui. Tu peux te tromper. Mais peut-être que c'était quelqu'un d'autre. Mais tu sais que les gens se ressemblent beaucoup. Allons-y, s'il te plaît. Ok. Il se fait tard. Nous avons perdu trop de temps là-bas à l'intérieur. Obina, Obina. Obina, mon pote, quoi de neuf? Bien, mon pote. Comment tu vas? Je vais bien. Comment tu vas? Oui, la dernière fois que j'ai dit que j'allais te rappeler, ça m'est sorti de la tête. As-tu pu résoudre ton problème? Non, c'est justement pour ça que je t'appelle. Depuis la dernière fois, les choses vont de mal en pis. Il faut absolument que je rentre au Nigeria. Ah, est-ce aussi grave? Mon frère, c'est pire. Ah, Nawao. Écoute, c'est entre toi et moi, frère. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre soit au courant, même pas les membres de ma famille doivent le savoir. Ok, ça marche. Fais-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. En fait, je ne sais pas vraiment comment te le demander. Frère, voyons, vas-y, dis-moi. Ok, et voilà, le truc, c'est que je dois vraiment faire profil bas. Et je me demandais si tu pouvais m'héberger chez toi pour un moment, si bien sûr cela ne te dérange pas. C'est ça qui était si difficile à dire. Voyons, mais tu es ma famille. Ce n'est pas un problème. Je vais juste en parler à Véronica. Appelle-moi quand tu arrives pour que je vienne te chercher. Je te suis reconnaissant. Merci. Je t'en prie. Tu es aussi ma famille. S'il te plaît, sois prudent où tu es. Je le ferai. D'accord, prends soin de toi. Toi aussi. C'est super. Obina. Salut, bébé. Allô, mon amour. Comment se passe ta journée? Ça se passe assez bien. Je suis ravie de l'entendre. Ah, c'est pour ça que tu m'appelles? Est-ce que tout va bien là-bas? Tu m'appelles pour me dire que tu prolonges le voyage? Voyons, bébé. Quand est-ce que j'ai repoussé mon retour de mon voyage d'affaires? Eh bien, avec toi ces jours-ci, je m'attends à n'importe quoi. Bien, je me dépêche. Tu te souviens d'Obina, n'est-ce pas? Souviens-toi, je t'avais dit qu'il a certains problèmes. Oh, je me souviens, tu m'as parlé de quelque chose comme ça. Comment est-ce qu'il va? Bien, il ne va pas. Il ne va pas bien. C'est pire maintenant. C'est vraiment pire. Et il dit qu'il va rentrer au Nigeria dans quelques jours. Oh. Ouais, c'est mieux, c'est bien. Oui, une dernière chose. Qu'est-ce que c'est? Il a demandé s'il peut vivre avec nous et j'ai dit oui, il peut. Eh bien, en considérant le fait que vous êtes amis depuis des longues années maintenant... Alors, devrais-je dire que je vais y réfléchir ou... Oui, tu peux. Et j'espère que tu diras oui. Tu sais qu'il est comme un frère pour moi et je lui ai déjà dit oui. Eh bien, fais juste ce que t'as à faire et assure-toi de revenir à temps. C'est d'accord, je suis content que tu comprennes. Comme si j'avais le choix. Je t'aime, bébé. Je t'aime également. D'accord, à bientôt. Hey. Pourquoi tu as mis autant de temps? Tu pourrais au moins d'abord m'accueillir. Félix. Maman. Ta femme m'a dit que tu étais en voyage d'affaires. Oh oui, j'y étais. Comment était ton voyage? C'était bien, très bien. Bien, très bien. Maintenant, dis-moi, je suis ta mère. Étais-tu
réellement en voyage d'affaires ou tu es allé les voir? Aller voir qui? Ne sois pas stupide ou ne joue pas l'imbécile avec moi. Je suis ta mère. Ok, bon. Tu m'as eu. Bien. Je suis allé pour un voyage d'affaires et passer du temps avec eux. Mm. C'est tout. Alors, comment va-t-elle? Quelle néné? Quelle néné? Qu'est-ce que je fais avec elle? Je parle de l'autre, ma petite fille. Oh, elle va très bien. Bien. Félix. Maman. Ne penses-tu pas que je suis celle qui devrait élever ma petite fille? J'ai une petite fille que je ne peux même pas voir. Est-ce normal? Maman, tu pourras la voir quand tu le voudras. Tu es très proche de Véronica. Et je ne veux pas qu'elle le découvre. Qui lui dira? Ok. Laisse-moi te poser une question. Si tu es celle qui s'occupe de l'enfant et que Véronica te demande à qui est cet enfant, que lui diras-tu? Tu vois, c'est ce que je disais. Alors, pendant combien de temps comptes-tu encore le lui cacher? Jusqu'à ce que je trouve une solution. Jusqu'à ce que tu trouves une solution? Oui. Sois sage. Maman, je vais devoir partir. Mais tu viens à peine d'arriver. J'ai fait la sauce aux pistaches, ton plat préféré. Il faut que tu manges, s'il te plaît. Hein? Maman, tu sais que je ne peux jamais dire non à ta nourriture. Mais je suis sûr que Véronica a fait à manger. Elle ne doit rien suspecter. Et je suis sûr que tu ne le veux pas aussi. Tu as raison. En tout cas, alors rentre chez toi directement. Va la rejoindre, ok? Je rentre chez moi. Et en plus, je veux que tu m'arranges ça. Comme je te l'ai déjà dit, je ne sais pas combien de temps tu vas pouvoir lui cacher ça, sachant pertinemment que toutes les deux sont dans la même ville. Arrange ça, s'il te plaît. J'ai compris, maman. Je t'aime. Je t'aime. Fais attention à toi. Fais pareil avec toi. Transmets mes salutations à ma belle-fille adorée. Je ne manquerai pas. Chérie, je suis rentré. Chérie. Coucou, mon amour. Salut, bébé. Comment tu vas? Comment était le voyage? C'était épuisant. Et devine quoi? Je t'ai ramené un cadeau. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, mon Dieu. Mon amour. Oui. Oh, merci. Que c'est si beau. Ça sent très bon par ici. J'ai très faim. Ok. Eh bien, c'est mon petit secret. Le dîner sera bientôt prêt. Alors, tu vas monter, tu vas te rafraîchir. Et moi, je vais dresser la table. J'ai très hâte. D'accord. Tu le ferais mieux. Allons-y. À tout à l'heure. Mon cadeau. Allô, docteur Jude? Salut, Véronique, comment vas-tu? Je vais bien, docteur. Écoute, en fait, cet appel n'a rien de médical. Donc, tu peux arrêter de m'appeler docteur. Et appelle-moi juste Jude, comme tu le faisais auparavant. C'est bon, Jude, pourquoi est-ce que tu m'appelles? Oh, c'est juste pour prendre de tes nouvelles. Je suis peut-être ton médecin, mais je suis aussi ton ami. Écoute, Jude... Je sais très bien ce que signifie cet appel. Mais je te l'ai déjà dit, je ne veux pas de ça. S'il te plaît, laissons ce qu'il y a entre nous professionnels. Je sais, mais... Mais quoi? J'apprécie beaucoup ta compagnie. Et tu penses que cela ne va pas affecter mon mariage? Mais tu n'as pas parlé de nous à ton mari? Sérieusement, tu l'as fait? Jude, premièrement, il n'y a pas de nous. Je veux dire, ce qui s'est passé entre nous date de très longtemps, il y a de cela 8 ans. C'est quoi ton problème? Je suis plutôt content que tu ne lui aies rien dit. Ça aurait rendu les choses complexes. Il est mon ami et toi aussi. Je ne suis rien pour toi. Je ne suis rien pour toi, Jude.
Écoute, Jude, la seule raison pour laquelle nous avons encore cette conversation maintenant, c'est parce que tu es mon médecin. Et tu es mon médecin parce que tu es le médecin de la famille de Félix. Écoute, laissons ce qu'il y a entre nous rester professionnel. Je te l'ai déjà dit et je vais te le redire. S'il te plaît, au nom de Dieu, je t'en supplie. D'accord. Accepte juste de prendre un verre avec moi et je te promets, je ne vais plus t'embêter. Je suis désolée. Mais moi, Jude, je ne peux pas prendre non pour une réponse. Tant mieux pour toi, mais ma réponse est toujours non. Alors, tu ne me laisses pas d'autre choix que de dire à Félix tout ce qui s'est passé entre nous, notre histoire. Jude, t'es en train de me menacer? Non, je ne ferai jamais ça. Où vois-tu des menaces? D'accord. Tu veux qu'on prenne un pot, n'est-ce pas? Oh, bien sûr. D'accord. Ça marche. Bienvenue dans mon humble demeure. C'est ici que je vis, Obina. Putain! C'est une belle maison que tu as là. Eh bien, qu'est-ce que je peux dire? Nous essayons de maintenir le cap. Oh. Tu sais quoi? Donne-moi quelques minutes. Je dépose ceci dans ta chambre. Alors comme ça, j'ai une chambre? Sérieux? Monsieur, écoute. Installe-toi confortablement, c'est ta maison. Et, ne le dis pas devant ta femme. Elle pourrait me renvoyer de là où je sors. Je ne suis pas prêt à partir d'ici. Tu connais Véronica. Elle sait que tu es de la famille. De plus, elle n'est pas ce genre de personne. Au revoir. Tu sais, en français, t'as trouvé la bonne femme. Je sais, je sais. Laisse-moi déposer ceci. Je suis surpris, je n'ai pas entendu ma femme depuis que nous sommes là. Chérie. Chérie. Hé, hey, bébé. Hé, hey, bébé. Bienvenue. Obina super. Est là. Super. Bon après-midi. Tiens, elle est là. Ta magnifique femme. Oh, comment tu vas? Je vais bien. Obina, c'est ça? Oui, oui, c'est lui. Le seul et l'unique. C'est vrai que toutes nos conversations ont toujours été au téléphone. Ouais, c'est ça, ça c'est ça. Je vois que Félix a trouvé la perle rare. Ah! C'est une bonne chose, tu sais. Mais ce qu'il a omis de dire, c'est que... c'est qu'à quel point tu es magnifique et éblouissante. Merci, merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, comment était le voyage? Bien, ça a été. Quoique, j'aurais souhaité que ce soit dans d'autres circonstances, tu vois. Ouais. Ouais. Eh bien, ben, remercions le ciel que tu oui. sois là. Je suis ravie d'avoir enfin mis un visage à ce nom. Et sens-toi à l'aise, ici c'est le chez-toi. Oh oui. Eh bien, Félix me l'a dit aussi. Et je vais me l'enfoncer dans la tête. Les gars, vous êtes arrivés à temps parce que le repas est presque prêt. Alors permettez-moi de retourner à la cuisine, finir ce que j'ai commencé. Oh, c'est super. Ça sent si, si bon. Ça prouve à quel point c'est délicieux. J'imagine déjà comment le repas sera savoureux. Mon amour, tu ne m'as pas dit à quel point ton ami était drôle. Tu n'as pas encore tout vu. Il commence à peine. C'est faux. Bébé, je retourne à la cuisine. Ok, bébé, pas de problème. Pas de problème. Ta chambre pour que tu prennes ton vraiment bain. Et si je refuse? Alors, je vais finir toute la nourriture. Je sais que tu aimes la bouffe. Mais mec, ne joue pas avec moi quand il s'agit de ma nourriture. Je préviens. Sais. Ne viens pas. Reste là et tu verras. Ne joue pas avec la bouffe, mec. Waouh. Bébé, j'ai du travail à faire. Mon amour, qu'est-ce que tu racontes?
Est-ce que tu sais ce que ça me fait de toujours avoir l'impression de supplier mon mari de me faire l'amour? Pour l'amour de Dieu, je suis ton épouse. Faut-il que ce soit ce soir? Faut-il que ce soir où nous avons un invité quand je travaille? Mais qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu peux t'entendre parler? Non, parce que nous avons un visiteur. Nous ne pouvons pas faire l'amour. Véronica, je dois travailler, ok? On dirait clairement que je suis seule dans ça. Je veux dire, comment on est supposé faire que ça marche? Comment on est supposé avoir des enfants alors qu'on n'essaye même pas? Comment on est supposé avoir des bébés alors que tu ne me fais même pas l'amour? C'est soit tu vas en voyage d'affaires, soit tu essayes de mettre tes idées claires, soit tu travailles, soit je ne sais pas quoi. Il y a toujours une excuse. Devrais-je te rappeler que ce travail et ces voyages payent les factures de cette maison? Plus de voyages, plus d'argent. Oh, c'est comme ça que les choses fonctionnent. S'il te plaît, épargne-moi ça. S'il te plaît, j'ai compris. Tu es le seul producteur et moi je suis la consommatrice, ça je l'ai compris. Mais laisse-moi aussi te rappeler que j'ai dû quitter mon travail il y a de cela 3 ans pour que nous puissions faire ce travail ensemble, pour que nous puissions avoir des enfants. Tu payes peut-être des factures, mais j'ai également fait des sacrifices pour nous. Tu sais quoi, Véronica? Je ne veux pas me disputer ce soir. Félix, tu vois quelqu'un d'autre? Est-ce que tu as une liaison? Que tu je vais bien, ça fait un bail. Où étais-tu passée? Oh, je suis dans la ville. Qu'est-ce que tu fais dans cette partie de la ville? je suis venue rendre visite à mon petit ami. Il est là-bas. Ah, ok. Salut! Yem. Comment tu vas alors? Je vais bien, ma puce. Et toi? Je vais bien. Tu es bonne. Merci. un jour, la semaine dernière, j'ai cru voir Félix dans mon quartier. Je ne suis pas certaine que c'était lui, mais Félix? J'ai essayé de l'aborder, mais il est parti avant que je le fasse. Je ne suis pas sûre, mais... La semaine dernière, tu la dis? La semaine passée. Non. Jeudi de la semaine passée. Non, c'était pas lui. Il était en voyage à cette période-là. Okay. Il était en voyage. D'accord, si tu lui dis. J'espère que tu vas bien. Je vais bien. Tout va bien. Ah, oh, mon chauffeur est là. Oh. Je vais devoir prendre congé okay, de toi. Pas de problème. Je ne vais pas vous prendre plus de temps à tous les deux. Okay. Prends soin de toi, Mathilde. Fais attention. J'attends ta visite. D'accord, bye. Je viendrai. Salut. Oui. D'accord, monsieur. Pas de problème. À bientôt. Tu es drôle. Ouais, ça, je sais. Tu sais quoi? Je t'écoute. Je crois que tu devrais vendre certaines choses. Mieux t'installer et lancer un business. Construire une famille, regarde-toi. Tu ne rajeunis pas. T'as raison. Mais tu sais quoi?
cette vie est si belle. De toutes les façons, je pense à tout ce que tu as dit. Ouais, c'est vrai. Tu sais, étant là-bas, je bossais dans... Tu sais, je bossais dans la restauration. Mais ça n'a pas marché pour moi. Ouais. Je vais tout arranger. Tout va s'arranger. Tout ira bien, crois-moi. Désolé pour ça. Tu disais... Ouais. Comme je disais, tout va s'arranger. C'est sûr. Ce numéro ne fait que t'appeler. Pourquoi ne décroches-tu pas? C'est le travail. Et c'est mon jour de repos. Oh, vraiment? Oui. Oh, j'oublie. Et si tu m'en disais plus sur ce site dont tu m'as parlé? Désolé, je vais prendre cet appel. Ok. Et vas-y. Allô? Nous étions d'accord sur les appels. Pourquoi m'appelles-tu? Et si ma femme voyait ton appel? Qu'est-ce que tu veux? Mais je suis venu te voir la semaine dernière. Quelle excuse veux-tu que je donne à ma femme? Hein? Allô? Allô? Obi. Alors, tout va bien? Ouais, ça va. C'était le boulot. Ce boulot est juste... Ça me stresse beaucoup. Vraiment? Mon superviseur vient de m'appeler. Je dois voyager demain pour une réunion d'affaires. Tu t'imagines? Courage. C'est vraiment... Alors, tu disais... Mon amour, je veux venir avec toi à ton prochain voyage. Tu parles de quoi? Je veux venir avec toi à ton prochain voyage d'affaires. Pour y faire quoi? Rien du tout. Je ne veux rien faire, je veux juste venir avec toi. Suis-je le seul homme d'affaires qui doit toujours voyager à cause de son boulot? Eh bien, Félix... Tu me donnes une autre raison de croire que tu as une autre liaison. Pour l'amour de Dieu, mais de quoi est-ce que tu parles, bon sang? Mais réellement, qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? Est-ce que tu t'entends parler? D'où sors-tu toutes ces idées folles? Écoute, je n'ai pas de force pour ça ce soir, ok? Comme tu peux le voir, je travaille. J'ai une très longue journée qui m'attend demain. Si tu veux, tu peux m'ignorer de maintenant jusqu'à demain. Mais à ton prochain voyage d'affaires, je voyage avec toi, que tu le veuilles ou non. Tout le temps. On verra où tu vas passer pour me suivre dans ce voyage. Tu as dit quoi? Qu'est-ce que tu as dit? On verra comment tu vas me suivre dans ce voyage. Vraiment? Oui. On verra quand tu quitteras cette maison. On verra bien. Je dois partir maintenant. On se voit plus tard. Bisous. Je t'aime. Bonjour. Bonjour. Comment était ta nuit? Superbe. Tu as bien dormi? Oui, j'ai bien dormi. Ok. Le petit déjeuner est servi. Donc, tu peux te servir. Bien. Merci. C'est gentil.
Il semble que tu n'es pas dans ton assiette ce matin. C'est ton ami. Écoute, je ne vais pas prétendre que tu ne nous as pas écoutés la nuit dernière. Bien sûr, je vous ai entendu. Je vous ai entendu. Tu sais, depuis le soir que je suis arrivé ici, je n'avais rien remarqué. Mais la nuit dernière, on aurait dit une tempête. Et qu'est-ce qui a pu se passer entre vous? Je... Hey, écoute. Hey. Tout ira bien. Tout va s'arranger. Tout ira bien. Qu'est-ce que tu vas maintenant penser de nous? Écoute, je... Hey, écoute. Ça me brise le cœur de te voir ainsi. Peu importe ce qui se passe, ça va s'arranger. Je suis là. D'accord? Oh. Je suis désolée, je ne voulais pas t'embarrasser de la sorte. Oh, voyons. Tu n'as aucune raison de t'excuser pour ça. Et qu'on ne te laisse pas abattre pour si peu. Je te l'ai dit, je te comprends. Ok? Merci beaucoup. Avec plaisir. Obina, tu es un homme bien, tu sais. C'est bon. Ça ira. Fini de prendre ton petit déjeuner. Je vais débarrasser. Je ne gêne pas. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Merci. Ce pauvre gars ne sait pas combien il est béni. Comment va-t-elle? Elle va bien. Où est-elle? Ah, calme-toi, elle dort. Elle dort, je lui ai donné les médicaments. Ah, calme-toi. Je pense que nous devons l'amener voir un docteur. Non, ce n'est pas nécessaire. Elle ira bien, ce n'est rien de grave. Ok. Alors, comment elle va? Qui, elle? Véronica, bien sûr. Ma femme va très bien. Ta femme, bien sûr. Écoute-moi bien. Ne complique pas les choses. Je n'ai peut-être pas tenu les vœux que j'ai faits à ma femme, mais je l'aime. Mais elle est capable de te donner ce que je t'ai donné. Un enfant. Toi et moi savons qu'elle ne te fait pas ressentir ce que je te fais sentir. Tu ne me fais rien ressentir. Tu veux le voir. Arrête ça. Ok. Vas-y, va voir ta fille. C'est pourquoi tu es toujours ici, non? Pars. Sérieux, tu t'en vas? Oui. Ok. Obina? Oui. En fait, je pensais... Tu ne penses pas que ce serait une bonne idée que tu restes ici, le temps pour toi de recommencer? Il faut reculer pour sauter. Ouais. Félix m'a dit la même chose. Oui, je pense à suivre cette option. Mais avant, je dois mettre une ou deux choses sur pied. Tu sais, me trouver de l'argent, un appartement et... partir d'ici. Obina, tu sais que tu peux rester ici aussi longtemps que tu voudras. Oui, je sais, non, mais... Non, pas de mais. Je veux dire, tu es de la famille. Tu sais quoi? Tu es une bonne personne, Véronica. J'avoue que Félix est très chanceux de t'avoir. Ah, t'as raison.
Mais l'époque où il le pensait est revenue. Plus maintenant. Oh, voyons. Tu ne devrais pas voir les choses ainsi. Ouf. Obina, s'il te plaît. Oh, revenons à ce qu'on disait. Je veux dire... Ok, je suis sûre que... Je suis sûre que t'as quelqu'un avec qui tu... Tu sais de quoi je parle. Ouais, tu... ouais. Je vois de quoi tu parles. Ouais. Mais la vérité est que... Il y a des années, je fréquentais des femmes bien. Oui, j'avais des femmes bien autour de moi. Elles m'aimaient et je les aimais aussi. Tu sais, j'ai choisi la voie facile. Malheureusement, je les ai perdues les unes après les autres. Mais je vais m'en remettre. Ce n'est pas un problème. Je vais prendre mon temps. Eh bien, comme tu l'as dit, tu ne savais pas ce que tu avais jusqu'à ce que tu le perdes. Ouais, c'est toujours vrai. Toujours est-il, tu peux toujours essayer. Il n'est pas trop tard pour réussir. Je veux dire, je pourrais te présenter à quelques-unes de mes amies, des bonnes femmes, des bonnes dames, des femmes mariables. Tu pourrais, ça pourrait marcher avec l'une d'entre elles. Alors, je peux déjà compter mes conquêtes. Oh, s'il te plaît, pas avec mes amis, ça n'arrivera jamais. Je connais une qui est vraiment, vraiment bonne pour toi. C'est une bonne fille, fille vraiment chaude comme tu aimes. Comment sais-tu ce que Parce que tu es avec nous ici depuis quelques jours déjà. Oh, pour vraiment? Pour ne pas dire une semaine. Là, tu dis que tu sais ce que je veux. S'il te plaît, Obina, laisse-moi tranquille. S'il te plaît. Ah, j'avais oublié. Qu'est-ce que tu vas manger pour le déjeuner? Donne-moi ce qu'un homme doit manger. Tiens. Gentille fille. Félix? Ah, comment tu fais ça? Bien, n'est-elle pas assez maligne? Je vais te dire comment tu lui sors la même excuse du voyage alors que tu viens ici. Écoute, je pense que nous devons l'amener voir un docteur. Sa température est élevée. Nous devons arrêter de compter sur l'automédication. Je te l'ai déjà dit, ce n'est rien de sérieux. C'est juste une petite fièvre. Ah, qui ne connaît pas le traitement de la fièvre dans ce pays? Je vais utiliser de l'eau froide et la mouiller. Ensuite, je vais lui donner les médicaments que j'ai pris à la pharmacie. Elle ira bien. Avant que j'oublie, tu vas nous accompagner quelque part. Où exactement? Il y a ce pasteur qu'une amie m'a recommandé. Tu sais, nous pouvons aussi faire recours à une assistance spirituelle pour le bien de notre fille. Tu sais, sa fièvre devient trop fréquente. Vraiment, tu es un sacré personnage, tu le sais. Qu'est-ce qu'un spiritualiste va faire pour cet enfant, hein? Écoute, nous allons l'emmener à l'hôpital voir un docteur. Félix, ça c'est ma maison. C'est moi qui donne les ordres ici, pas toi. Tu n'utilises pas ce ton quand tu me parles. Je ne suis pas Véronica. Tu peux lui parler assez, mais pas moi. On dirait que tu ne veux plus voir cet enfant. Je vais juste la prendre et disparaître. Attends. C'est bon. C'est compris. S'il te plaît. Nous irons partout où tu veux qu'on aille. Mais s'il te plaît, nous allons voir un docteur après ça. Je crois avoir dit que j'étais désolé. D'accord. Mais nous irons voir un pasteur avant. Ok, oui. Nous irons partout où tu veux qu'on aille. Mange, Andy, mange. Allez, Félix. Mange. Vas-y, ouvre la bouche. Félix, c'est bon, c'est assez pour elle. Je veux qu'elle mange juste un peu. Elle risque de tout vomir, c'est assez pour elle. Elle en veut. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. J'ai un très mauvais pressentiment à propos de ça. Écoute, Félix, je ne vais pas reparler de tout ça avec toi. On devrait y aller. Et si quelqu'un nous voyait? Et si quelqu'un me reconnaît et le dit à ma femme? Je serai dans le pétrin. Ne commence pas avec ça ce matin, Félix. C'est trop tôt, tu ne vas pas aimer ce que je vais faire. Allons-y. Viens. Je suis contente que tu aies finalement accepté de venir avec moi. Comme si ce sera différent des autres fois.
Maman, j'ai déjà emprunté ce chemin plusieurs fois, tu le sais. Véronica, ne sois pas découragée. Maman, pas de problème, nous sommes ici. Allons voir ton tout-puissant homme de Dieu qui partage les bébés. Et ne jamais utiliser de tels mots pour le décrire, s'il te plaît. Tu n'as vraiment pas besoin de le décrire ainsi, mais c'est l'image que tu as de lui. Qui est-il, Félix? Je connais cette voiture. Quelle voiture? Celle qui est garée juste tu devant. Tu ne changeras jamais. Allons-y. Maman ne m'en veut pas. Tu ne changeras ne m'en jamais. Pas. Allons-y, allons-y. Oh, putain, c'est ma femme. Nous devons partir d'ici. J'étais prévenu que c'était une mauvaise idée, mais tu ne m'as pas écouté. Félix, reviens ici, on n'a pas fini. Reviens ici. Hey! Qu'est-ce qu'il y a, Véronica? Voyons, parle-moi. Quel est le souci? C'est Félix. Oui. Qu'a-t-il fait? Puis-je te poser une question? Bien sûr, vas-y. Je t'écoute. Je pense que mon mari a une liaison. Ce n'était pas une question. Mais une affirmation. D'ailleurs, mais d'où est-ce que te vient cette idée? N'est-ce pas évident? Nous sommes mariés depuis 6 ans aujourd'hui et je ne lui ai pas encore donné d'enfant. Bien. Bien. Toujours en est-il que tu devras arrêter de dire ça. Comme si tout était de ta faute, tu sais. Mais bon, ce n'est toujours pas une raison pour que tu crois que ton mari a une liaison, alors. Ces 3 dernières années, tout a complètement changé. Il me sort toujours une histoire de voyage d'affaires ou autre chose. Mais je ne suis pas stupide pour savoir que derrière ces voyages d'affaires, il y a autre chose. Écoute, Obina, ne te méprends pas. Ce n'est pas que je n'aime pas mon mari. J'aime Félix de tout mon cœur. Mais je sais très bien quand on se moque de moi. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est inquiétant. Mais je ne veux pas paraître curieux, ok? Mais il faut que je pose la question. Tout ceci se produit depuis que vous êtes mariés. Oh, ce n'est que ces 3 dernières années.
Les trois dernières années, mon mari a changé. Les trois dernières années, je ne reconnais pas du tout cet homme que j'appelle mon mari. Écoute, je sais que je ne suis pas censée te raconter tout ceci, mais je suis débossonnée. Peux-tu imaginer que mon mari ne m'a pas touchée depuis longtemps aujourd'hui? Je veux dire, quel est le genre de mari qui ne touche pas sa femme? S'il ne le fait pas avec moi, avec qui est-ce qu'il le fait? T'as peut-être raison. T'as peut-être raison. Écoute, Véronica, honnêtement, je ne veux pas que tu te sentes mal. Ok, tu es une très bonne personne. D'accord? Bien que Félix ait un ami, pas qu'un ami, mais un frère pour moi. Oui, la vérité est que un homme qui ne touche pas ou ne fait pas l'amour à sa femme, tu sais, nous pousse toujours à croire qu'il a une liaison. Ça, c'est vrai, mais ne te méprends pas. Ok? Mais si tu tiens vraiment à savoir si ton mari t'est infidèle ou pas, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Va à son lieu de travail. Maîtrise son emploi du temps et cherche à savoir pourquoi. Il est constamment en voyage d'affaires. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Où est passé mon sac? Elle est dans ma poche. D'accord. Allons-y, ouvre la porte. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh, j'ai là! Vas-y! Ah, vite! 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 Wow! Bienvenue! Je vous remercie. Bienvenue. Merci, bienvenue. Merci. Ouais, ça fait quoi? 4 ans? 4 ans, exactement. La dernière fois que je vous ai vu, c'est quand l'entreprise organisait un gala pour votre promotion. Ouais. T'as raison. Oh. Exactement. Comme ça, tu t'en souviens. Comment oublier? Alors, comment tu vas? Je vais très bien. Quoique je suis désolée, ce n'est pas un appel lié au travail. J'espère que vous allez bien. Non, c'est bon. Tu seras toujours la bienvenue ici. Grand merci. Comment va votre mari? Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Il va bien, mais... désolée, ça fait un moment. Oh, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Désolée, monsieur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Je veux dire, ce n'est pas votre employé. Mon employé? Je crois qu'il y a un malentendu. Mais je pense que c'est moi qui devrais dire ça. Je suis en fait venue ici pour parler de tous les voyages d'affaires que mon mari effectue. Parce que je vois très rarement mon mari, bien que je sache que c'est l'un de vos meilleurs employés. Mais le problème est que je ne passe pas assez de temps avec mon mari parce qu'il est toujours en voyage d'affaires pour le compte de votre entreprise. Un voyage d'affaires, c'est assez intéressant. Malgré que je ne sache pas grand-chose à propos de cette affaire de voyage. Mais votre mari, Félix, ne travaille plus ici depuis 3 ans déjà. Il fait des consultations privées maintenant. Je pense que vous êtes mieux placé pour le savoir. Vous êtes sa femme. Attendez. Vous voulez... Tout va bien? Non, tout va bien. Vous êtes certaine que ça va? Félix, c'est... Non, tout va bien. Je vais devoir y aller. Je vais prendre d'accord. Congé de vous. Merci, au revoir. D'accord, pas de problème. Je vous en prie. Désolée, vous avez dit 3 ans? 3 ans, oui. Ok, merci. Vous êtes sûr que ça va? Oui. C'est sûr? Merci. D'accord, pas de désolée problème. Désolée pour le dérangement. À bientôt. Oh. Voyons. Thank you.
savez. Trois bonnes années. Je vivais avec un homme. Mon mari. Un homme qui me regardait dans les yeux et me mentait sans aucun remords. Tu sais, je ne fais que me demander qu'est-ce que j'ai fait mal. Où est-ce que j'ai fait une erreur? Où est-ce que j'ai merdé? Qu'est-ce qui cloche, moi? Quand est-ce que j'ai tout foutu en l'air? Mais ce n'est pas de ta faute. Ça l'est. C'est ma faute. Comment? J'ai toujours été aimante, attentionnée, une femme obéissante qui faisait tout ce qu'on lui demandait de faire sans avoir à se plaindre un seul jour, quoi qu'on dise. Mais les hommes sont tous pareils. Ils aiment bien tromper et mentir les femmes bien. Écoute, ne prends pas les choses de cette manière. Je ne connais pas la version de Félix. Je ne connais pas toute l'histoire. Tu ne connais qu'une partie de l'histoire. Une partie? Une partie qui m'a montré que je vivais avec un parfait inconnu pendant les trois dernières années de ma vie. Trois bonnes années. Félix me regardait dans les yeux et n'hésitait pas à me mentir continuellement. Vous n'aimez pas les bonnes femmes. Vous n'aimez pas les bonnes femmes. Vous n'aimez pas. Les hommes n'aiment pas les bonnes femmes. Véronica, calme-toi. Calme-toi. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Je n'ai que foutre. Trois ans. Trois bonnes années. Véronica, je sais que ça fait mal. Laisse-moi. Ça va. Laisse-moi voir. Laisse-moi. Calme-toi. Laisse-moi voir. Calme-toi. C'est bon, calme-toi. Je comprends ta douleur. Je suis là. C'est toi, écoute-moi, Véronica, écoute-moi. Je comprends ta douleur, mais je ne te laisserai pas commettre un drame. Ok. Ressaisis-toi. Ça va aller, je suis là. Je suis là, d'accord? Ça va aller. Je suis là. Calme-toi. Non. C'est bon, ça suffit, Véronica, c'est bon. Allez, donne-moi. Je t'en prie, s'il te plaît, c'est bon. C'est bon, calme-toi. Ça va aller, ok? D'accord?
C'est bon. Calme-toi. Calme-toi. Ok. Je suis là. Bon. Ok. Je suis là. C'est bon. Laisse-moi. C'est bon. Laisse-moi voir. Non, ça va. Ça va aller. Je suis là. Calme-toi. Ça va aller. Désolée. Désolée, nous l'avons perdu. Prépare-toi afin que nous fassions un constat de décès. Ah oui, docteur. Attends, lâche-moi, juste une gorgée, juste bébé, une. Non, juste une dernière, juste. Ça suffit, Véronique, ça suffit. Juste une gorgée, juste. Ok. Ok, ok. Dans ma chambre, dans ma chambre. Une gorgée, encore une. Juste une dernière gorgée. Ah. Ok. Je veux voir. Allez, viens là. Trois années. C'est bon. Trois années d'ignorance. Ça suffit, Véronique. Viens, je vais te porter. Qu'est-ce que tu veux ? Lâche-moi. Lâche-moi. Trois ans. Oh. Allez, viens là. Allez, viens. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Je te porte dans ta chambre. Viens. Je t'emmène dans ta chambre. C'est bon, c'est bon. Où est-ce que tu m'amènes ? Attends, mes clés. Véronique, je veux on dormir. Y va. Trois ans. Ok, on y va. Ça va aller. Je vais bien. Ok. C'est bon. Ça suffit. Je t'emmène dans ta chambre. D'accord. Monsieur et madame. Je suis désolée, nous l'avons perdu. Vous l'avez amené trop tard. Ma fille, la titan. Oui, je sais. Docteur, je suis désolée. Nous n'avons pas pu la sauver. Je suis désolée. Docteur, s'il vous plaît. Excusez-moi, madame. Vous pouvez entrer la voir. Je ne comprends pas. Avant qu'elle ne soit mise à la mort. Ma fille, docteur. Oui, je suis désolée. Où est-ce que tu vas? Reste avec moi. C'est bon. Allez, viens. Viens t'allonger. Calme-toi, d'accord? Tu vas te remettre. Viens, j'ai envie de toi. Je ne suis pas Félix, écoute. S'il te plaît, fais-moi l'amour. C'est bon, calme-toi, je suis là. Fais-moi l'amour. Calme-toi. S'il te plaît. Oh, j'aime. Tu vois ce que tu as causé. Tu es contente maintenant. Tu l'as tué. Tu as tué notre enfant. Comment oses-tu, Félix? Comment oses-tu? Tu vas m'écouter. N'ose même pas. Je vais te faire payer pour ce que tu as fait. Je vais en finir avec toi, descendante du diable. Très drôle. L'enfant n'était même pas de toi. Quoi? Écoute, Félix, j'étais déjà enceinte avant cette nuit à l'hôtel. Et je savais que ton enfant désespéré d'avoir un enfant ne t'aurait pas fait à foi de toute sur ma grossesse.
Tu es vraiment la réincarnation du diable. Tu sais quoi? Tu vas finir en enfer. Oh. Oui, va en enfer! Ma tête. Ah. Oui, je t'apportais de l'eau. Obina, qu'est-ce que tu as fait? Comment as-tu osé? Comment as-tu pu abuser de moi? Mais, tu t'es jeté sur moi. Obina, j'étais ivre! J'étais perdue! Je suis une femme mariée! Oui. Un homme qui ne te désire pas. Un homme qui est sûrement dans les bras d'une autre femme. À l'instant. Tu n'avais aucun droit. Tu n'avais aucun droit, Obina. Peu importe! Fous le camp! Fous le camp de ma chambre! Sors de chez moi! Sors de chez moi, je ne peux jamais te revoir. Sors de ma chambre, sors de chez moi. Je... Fous le camp! Véronica! 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 Maman, je ne sais pas où mettre la tête parce que ces trois derniers jours, je n'ai pas vu ma femme et je ne sais pas où elle se trouve. Où peut-elle bien être? Je connais Véronica. Si elle ne veut pas être retrouvée, elle sera introuvable. Maman, tout est en train de me tomber dessus. Je ne peux pas perdre ma femme. Je ne peux pas. Alors tu dois la retrouver. Et lui dire la vérité. Et rien que la vérité. Cela ne va pas la blesser, plus qu'elle ne l'est déjà. Ah. N'apprends-tu pas? Cacher la vérité t'a amené à cette situation. Et tu veux encore mentir. Je t'ai prévenu, n'est-ce pas? Oui, je t'ai prévenu. Maman, ne dis pas ça. Pourquoi? Tu as un rôle dans tout ceci. Comment? N'es-tu pas celle qui m'a demandé d'accepter l'enfant quand Néné m'a dit qu'elle est enceinte? Maintenant, tu me dis que tu m'as prévenu, que tu m'as conseillé. Que racontes-tu? Oui, je te l'ai conseillé parce que j'ai cru que c'est ce qui était mieux pour toi. Sans savoir que j'avais tort. Nous avons tous tort. Ce qui me perturbe actuellement, c'est que je ne sais même pas où commencer. Véronica. Depuis combien de temps es-tu là? Assez longtemps pour savoir que tu étais au courant de tous les mensonges de ton fils. Pendant
tout ce temps. Alors, devant moi, tu prétendais compatir, mais derrière moi, tu te moquais de moi. Mais j'espère que vous avez bien ri. Véronica, 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 attends. Véronica, Véronica, ramène-la. Véronica, Véronica, attends. Véronica. 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 Bébé. Pourrais-tu au moins écouter ce que j'ai à te dire? Peu importe ce que tu as dit, Félix, je ne veux pas l'entendre. Je ne veux pas l'entendre. Bébé, je sais que tu connais déjà toute l'histoire. Mais sincèrement, je veux vraiment régler tout ça. Quelle partie? Quelle partie exactement tu veux régler? Cette partie où tu m'as menti en me regardant dans les yeux pendant 3 ans? Ou alors la partie de nos vœux matrimoniaux? Bien, je m'en doutais. Bébé, je sais que c'est difficile à pardonner, mais je suis désolé. Je t'en supplie. À l'appareil. Obina? Obina, je croyais t'avoir dit de ne plus jamais me contacter. Pourquoi est-ce que tu m'appelles? Obina, est-ce que t'as un problème d'audition ou alors un problème de compréhension? Lequel des deux? T'as pas compris ce que j'ai dit? Ok, c'est bon. Prends un papier, prends un stylo, parce que je voudrais que tu notes ce que je suis sur le point de te dire maintenant. Écris ça et répète encore et encore jusqu'à ce que cela entre dans ta cervelle. Obina, n'essaye plus jamais de toute ta vie m'appeler ou t'approcher de moi, parce que je ne veux plus jamais te revoir. Est-ce que j'ai été assez claire? Ceci a été une très grande épreuve pour nous. Trop de dégâts ont été faits. Et ce n'est pas quelque chose que je peux effacer. Je t'en supplie, Véronica. Comment peut-on résoudre le fait que je ne peux plus faire confiance à mon mari? Comment peut-on résoudre le fait que tu m'es trompée pendant 3 bonnes années. Tout ce qui s'est passé, tout ce que je t'ai fait subir, je réalise maintenant que je me faisais du mal plus que je ne pouvais l'imaginer. Je croyais pourtant te protéger. Tu l'as fait pour moi? Vraiment? Ah, qu'est-ce que c'est pratique pour toi? Je t'ai blessée. Et j'en suis conscient. Tout ce que je te demande, c'est d'essayer d'oublier cette histoire. S'il te plaît.
même si j'ai bien envie de te pardonner, je ne sais pas comment. Je ne sais pas par où commencer. Beaucoup de choses se sont passées. Qu'est-ce qu'il fait ici? Qu'est-ce que tu... Véronica! 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 Nous devons l'amener à l'hôpital. Oui, à l'hôpital. D'accord. Ok, aide-moi. Ok. Ne t'inquiète pas, je vais le faire. Calme-toi, je vais le faire. Ne t'inquiète pas, je vais le faire, ok? Bébé! Obina, Véronica t'a vu et s'est évanouie, pourquoi? Vraiment? C'est ce que tu trouves à me demander maintenant? Tu m'étonnes vraiment. Le bien-être de Véronica doit être notre priorité en ce moment. Ouais. Où étais-tu passé? Tu as quitté la maison sans dire un mot. Je t'ai appelé, mais ton portable était éteint. Ça fait combien? 2 à 3 semaines? Que se passe-t-il? Docteur. Ouais. Comment va-t-elle? Oui, votre femme va bien. Elle était un peu stressée et sa pression artérielle était faible. Elle est endormie et elle sera probablement réveillée d'ici quelques heures. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. Bien que j'aimerais discuter de quelque chose avec vous. Pouvez-vous m'accompagner dans mon bureau? J'espère qu'il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème vraiment. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oh. Oui, vous pouvez le dire. Eh bien, il fait partie de la famille. Oh, d'accord. Donc, pas besoin de le cacher. Félicitations, Monsieur Félix. Votre femme est enceinte de 2 semaines. En quoi? Oui, enceinte. Elle est enceinte de 2 semaines. Le savais-tu? Tu l'ignorais. Alors accepte que tu sois Marie. Et ton ventre a été choisi pour la 2e naissance immaculée. Pourrais-tu me dire pourquoi tu es enceinte de 2 semaines? Parce que je sais que cet enfant n'est sûrement pas le mien. J'ai quelque chose à te dire. Obina! Obina! Infirmière, où est-il, s'il vous plaît? Qui? L'homme qui était assis ici. Il vient de partir. Il est parti? Oui. Merci. Obina! Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Je sais de quoi tu veux me parler, mais je n'étais pas prêt. J'étais chez toi et ta femme m'a dit que tu étais absent depuis des jours. Aucun homme ne pourrait accepter une telle femme après ce qu'elle a fait. Un homme avec tous ses sens. Les hommes. Vous les hommes. Pourquoi êtes-vous ainsi? Elle m'a même dit que tu as été violent. La femme digne que je croyais avoir, qui n'aurait jamais couché avec quiconque. Donc ça ne compte pas le fait qu'il ait profité de moi, sans tenir compte de mon état ne compte pas. Un état qui a été causé par tes actions. Oh! Maintenant, mes péchés sont plus graves que les tiens. Les péchés d'un homme qui a pendant 3 ans trompé sa femme en la regardant dans les yeux. Parce que je suis une femme, n'est-ce pas? Tu n'as pas pu.
contrôler tes désirs insatiables au point où tu as couché avec un homme dans notre maison conjugale et sur notre lit conjugal. Tu sais, c'est incroyable cette façon que tu as d'utiliser des grands mots pour décrire mon erreur. Parce que c'est mon erreur. Une erreur qui n'était pas volontaire. Maintenant, tu t'appuies sur ça pour pouvoir justifier tes erreurs intentionnelles. Si, je comprends. Ok, il s'agit là maintenant d'un endroit. D'un endroit où les erreurs ont été commises. Dans une maison matrimoniale, comme tu l'as dit, n'est-ce pas? Parce que toi, tu les as commises hors de la maison, qu'elles ne sont pas graves. Félix. Ah. Tu sais quoi, Félix? Je suis fatiguée. J'en ai jusqu'ici. À présent, je ne pleurerai plus jamais. Je ne me sentirai plus coupable. Je n'aurai plus honte de quoi que ce soit. Je m'en fous des décisions que tu prendras. À partir de maintenant, ce ne sont plus mes affaires. Tu n'es rien d'autre que une hypocrite. C'est une femme mariée, maman. Tu ne le sais pas. Le sais-tu? Savoir quoi? Que tu es le plus grand hypocrite ici. Oui, le fait que tu sois un homme et elle une femme, ses péchés sont plus graves. Même quand tu sais que c'est toi la cause de tout ça. Si j'étais toi, j'essayerais de sauver ce qu'il en reste. L'illusion que tu vivais avec Néné n'existe plus et tu as perdu. Je te conseillerais de récupérer ta femme avant que tu ne la perdes aussi. Ce n'est pas aussi facile, maman. Ne laisse surtout pas ton égo l'emporter sur ce que tu ne vois pas. Ok. Et qu'en est-il de l'enfant? Au sujet de l'enfant, eh bien, vu que tu es capable d'accepter l'enfant d'une étrangère, qu'est-ce qui t'empêche d'accepter l'enfant de la femme dont tu es légalement mariée? Non, dis-moi, qu'est-ce qui t'en empêche? Mais qu'en est-il d'Obina? Il réclame déjà la grossesse de l'enfant. Oublie juste Obina. Je vais m'en occuper. Que je l'oublie? Oui. Tu vas t'en occuper. Je vais m'en occuper. Il faut que je demande. Qu'est-ce qui l'a fait revenir de l'étranger? Où vas-tu? Je ne sais pas pourquoi ça devrait t'inquiéter. Véronica, s'il te plaît. Pourquoi as-tu rangé tes affaires? Écoute, Félix, nous n'allons pas nous mentir. Tout ceci ne fonctionne pas. Ne dis pas ça.
Je ne peux pas te laisser partir. Tu es toujours ma femme. Beaucoup de choses se sont passées entre nous et je pense qu'il est préférable que chacun de nous reste de son côté. Nous pouvons arranger les choses. Je t'en supplie. Il se fait trop tard. Ça ne l'est pas. J'ai menti. J'ai été abusif, indifférent et au-dessus de tout. J'étais accusé de quelque chose qui était en fait de ma faute. Je veux tout arranger. Je veux me battre, même si tu n'as pas assez de force pour te battre pour moi. Notre foyer, notre mariage. J'ai assez de force pour nous deux. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je t'aime toujours et je sais que tu m'aimes aussi. N'écoute rien de tout ce qu'il te raconte. Il ne te mérite pas. Espèce d'enfoiré, qu'est-ce que tu fais chez moi? Cet homme ne te mérite pas. C'est un menteur. Je peux m'occuper de toi. Je peux rendre n'importe quelle femme heureuse. Tu me l'as toi-même dit. Viens avec moi, Véronica. Je t'aime. Je t'ai laissé vivre dans ma maison. Tu as profité de ma femme pendant mon absence et tu as le tout fait de te tenir là et faire une déclaration à ma femme. Ferme ta gueule, Félix. Elle porte mon enfant et il grandit en elle. Ce que tu n'as pas pu faire en tant qu'homme. Là, tu commences à m'énerver. Je vais te casser la gueule. Félix. Oh. Félix, oh. Félix, oh. Arrête, arrête, oh. Arrête, oh. Arrête. Jeune homme, je t'ai fait venir ici pour résoudre le problème entre toi, mon fils et sa femme. Une bonne fois pour toutes, paisiblement et que nous ayons la paix. Oui, nous aurons pu t'accuser de viol. Pas besoin d'être un avocat ou un juge pour savoir que ça t'aurait envoyé en prison pour longtemps. Oui. Je ne l'ai pas violé. Ce n'était que... C'est ta parole contre la nôtre. Si ce qui te sert de tête peut résonner, tu devrais savoir que la parole d'une femme... Avec un bon avocat à l'appui, ce serait impossible pour toi de prouver ton innocence. Cette avocate présente va lire le contrat. Contrat pour reconnaissance de paternité, demandé par Monsieur et Madame Aniamoum. Il a été convenu ce qui suit le présumé père de l'enfant qui a été conçu au nom Tobina Ezegwe devra renoncer à tous ses droits sur l'enfant qu'elle porte en raison que l'enfant a été conçu dans des circonstances indésirables. Les clauses du contrat. En signant ce contrat, Tobina Ezegwe recevra un montant de 3 millions aussitôt. Et tant qu'il vivra, il ne s'approchera pas de Madame Véronica Aniamoum, de son enfant et de sa famille. En cas de non-respect de ce contrat, Tobina Ezegwe sera poursuivi au non-respect du contrat. As-tu compris? Si j'étais toi, je prendrais le temps de réfléchir avant de dire quoi que ce soit. Nous t'avons fait une très belle offre, donc tu ferais mieux d'accepter. Réfléchis très bien avant de dire un mot. Autant vous voulez acheter mes droits de paternité. Tu penses que nous ignorons le crime que tu as commis aux États-Unis avant de t'enfuir au Nigeria? Oui. Ok, dis-moi, si nous t'accordons la paternité de cet enfant, dis-moi, quel type de père seras-tu? Quel? Comment vivez-vous? Madame, donnez-lui le signe. À cet endroit, vas-y, signe. Et sois rapide.
Je sais que je ne peux pas réparer tout le tort que je t'ai causé. Mais je promets de passer le restant de ma vie à soigner ce cœur que j'ai brisé. Je promets de t'aimer, de te respecter et de te donner la priorité avant toute autre chose. Je t'ai pardonné. Tu ne m'as jamais rien demandé sur Néné et l'enfant. Peut-être que c'est mieux que les choses restent ici. Non. Tu devrais savoir. Eh bien, tout a commencé il y a 3 ans, quand je suis allé à cette proposition de travail à Béni. Nous avions gagné un contrat et j'ai décidé d'appeler des amis pour faire la fête. On s'est rendu dans un bar et j'avais un peu trop bu. Il y avait une fille qui était venue avec l'un de mes amis. Après que tout le monde soit rentré, elle a demandé à me déposer à mon hôtel. Et c'était là mon premier faux pas. Mais j'étais trop ivre pour le réaliser. Arrivé à l'hôtel, je pouvais jurer que rien ne s'était passé entre nous. Mais le lendemain, elle a dit que nous avions couché ensemble. On s'est séparés et je suis rentré. Je voulais te le dire, mais j'avais si mal. Je me sentais tellement coupable pour te toucher. Je savais que je t'avais trahi. Quelques semaines plus tard, elle m'a appelé pour me dire qu'elle était enceinte. J'ai paniqué. Je ne savais pas quoi faire ou à qui me confier. Alors, j'ai vu maman. Mais bébé, je suis ta femme. Pourrais-tu venir vers moi? J'étais terrifié. Je ne savais pas comment tu allais le prendre et je ne voulais pas te perdre. Néné a refusé d'enlever la grossesse et elle a dit qu'elle devait la garder. Maman a encouragé Néné à garder l'enfant. Après qu'elle ait donné naissance, elle a demandé à venir en ville et j'ai accepté. Cette même année, j'ai démissionné de l'entreprise et j'ai créé mon propre cabinet de conseil. Il me fallait un alibi pour être proche de l'enfant. Je voulais faire partie de la vie de l'enfant. Je ne pouvais pas l'abandonner. Je croyais que c'était mon enfant. C'est bon. Ça va. C'est le passé. Et je t'ai pardonné. Merci. Bébé. Oui, chérie. Je peux toujours interrompre cette grossesse. C'est une option et il n'est pas trop tard. Bébé. Non. Nous allons garder l'enfant. Est-ce que tu es sûre? Écoute, je sais que tu es inquiète. Mais l'amour qu'on ressent l'un pour l'autre sera assez fort pour cet enfant. Quand cet enfant sera là, nous allons l'aimer et nous occuper de lui comme chaque enfant le mérite. Oui. Je peux voir la peur dans tes yeux. Nous allons avoir plein d'enfants. Viens là.
Allô? Salut, bébé. Comment tu vas? Je vais bien. Je t'appelle pour t'informer que j'aurai plus de réunions. Je vais rentrer tard, ok? Oui, bien sûr, ok. Je t'appelle quand je rentre, d'accord? Je t'aime. Bye, chérie. Salut, Félix. Obina. Qu'est-ce que ça signifie? Hein? Je pense que tu peux m'éloigner de la vie de mon enfant. Et ça de mon amour, Véronica. Je crois que c'est facile de te débarrasser de moi. Eh bien, non. Obina, calme-toi. Non, mec. Tu n'as pas à faire ça, ok? Tu la fermes. J'ai décidé que si je ne peux pas avoir Véronica et l'enfant qu'elle porte, tu ne l'auras pas non plus. Ah ah. 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 Obina. Obina. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.